Et bonjour tout le monde, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit programme pour le mois de juin, donc qui va être fait par moi-même, hein, évidemment. Alors, d'abord, j'aimerais tout de suite dire, avant de passer au programme, que, comme c'était déjà prévu initialement, les orages des US, c'est terminé pour ma part, je n'y reviendrai pas, peut-être, à la limite, l'année prochaine. Mais cette année, les orages US, c'est bouclé, je ne referai plus de vidéo dessus. Parce que j'estime qu'une chaîne de France ne doit pas accueillir des orages ailleurs qu'en France, donc que ce soit aux États-Unis, en Belgique, bref, tout ce qui est en dehors de France, pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que bah, j'ai tendance à vouloir filmer des orages de France sans aller plus loin. Mais malgré tout, vous l'aurez vu, pour vous faire plaisir, j'ai quand même fait quelques vidéos sur les États-Unis. Bref, donc le programme pour ce mois-ci. Donc déjà, il y aura des timelapses. J'espère que vous voyez là les nuages qu'il y a en ce moment. J'espère que j'aurai le même type afin que je puisse réaliser des beaux timelapses. Là, donc, pour le début juin, entre le 1er et le 5, je vais donc essayer d'en faire au moins un. Après, j'essaierai peut-être d'en faire un deuxième, le 4 ou le 5. Mais sinon, voilà, pour le début juin, c'est ce que je prévois de faire. Des timelapses, surtout éventuellement. Après, bon, il y a peut-être des orages. S'il y a des orages, bien sûr, ce sera filmé, hein, ce sera en plus du programme. Mais de toute façon, sachez que normalement, au mois de juin, il y a toujours un orage violent qui se montre, donc de toute façon, c'est ce qui est dans mon programme de juin. Par la même occasion, j'essaierai aussi de faire des vidéos, comment dire, comment pouvoir expliquer ça. Pas des vidéos timelapse, mais des vidéos en fait du temps. Je l'avais fait déjà en fin avril, il me semble, où je présentais, enfin je montrais le temps qu'il fait. Et ben là, je vais faire peut-être quelques fois ce genre de vidéo afin de garder la chaîne active. Donc ce sera temps du jour et puis une date. Après bon, pour le mois de juin, il y aura pas grand chose de plus, je pense, parce que j'estime que bah le programme sera déjà, on va dire, complet. Le but, c'est que bah j'essaye de faire assez de timelapse, c'est assez de temps du jour en fait, hein, tout simplement. Et j'espère surtout qu'il va avoir suffisamment d'orage afin que la chaîne puisse rester active et que de nouveaux abonnés puissent venir à moi, puisque c'est tout simplement mon envie. J'avais plus de 200 abonnés avec Storage France. Et c'est vraiment dommage que cette chaîne se soit fait pirater, parce qu'au final, bah, tous mes 200 abonnés, bah, ils sont tous partis, quoi. Je me rappelle la fois où j'avais eu mes 200 abonnés le 4 novembre. Le 4 novembre 2014, 200 abonnés sur Storage France, et ça m'avait été, ça m'avait, on va dire, donné un bon cadeau d'anniversaire, sachant que deux jours avant, j'avais eu un orage modéré. Donc voilà, c'était vraiment un, on va dire, un mois de novembre assez gâteux. Voilà, voilà, en tout cas, bon bah pour le mois de juin, ce sera ce programme. J'ai pas prévu de faire d'autres choses en plus. Après, peut-être que je ferai une petite actualisation d'ici le 15, si je prévois de faire un autre type de vidéo. Voilà, voilà, sur ce, bah, j'espère que ce petit programme vous plaît tout de même. J'espère que bah par la même occasion, vous le suivrez. En tout cas, bah voilà, vous pouvez aimer la vidéo et puis ainsi donner votre avis sur ce programme. Je vous invite à vous abonner pour les nouveaux. Et puis, bah sur ce, je vous dis à très bientôt.